Il y a beaucoup de nouveautés présentement en robotique. Il y a beaucoup d'innovations dans tous les domaines, beaucoup de développement d'applications, que ce soit dans des environnements industriels, que ce soit dans des environnements commerciaux qui tournent autour d'applications collaborative, humain-robot, que ce soit des cellules de production dans des usines, dans des gestions d'entrepôts ou même en agriculture. Il y a aussi énormément de développement présentement sur les robots plus humanoïdes ou à plusieurs pattes, donc des robots qui sont mobiles. Il y a énormément de développement aussi autour de la vision 2D, 3D, donc de la perception de l'environnement des robots qui permet d'avoir une plus grande autonomie de ces derniers. L'augmentation aussi du commerce électronique amène toute une série de nouveaux défis, toute une série de nouveaux besoins aussi autour de la gestion des entrepôts, de l'automatisation des entrepôts. La réalité virtuelle également est en plein développement. Donc, de plus en plus de projets peuvent être simulés, peuvent être validés en pleine phase de conception via la réalité virtuelle. Et on peut même se rendre jusqu'à simuler un équipement complet ou ce qui serait possible même de donner de la formation via la réalité virtuelle.